Les enfants, ça va? Oui. Savez-vous combien de recettes vous allez déguster? Non. Pas du tout. Aujourd'hui, vous allez avoir 6 recettes. Donc, vous l'avez dit, on est en mode dégustation. Allez-y. Ces élèves sont chargés de tester les futurs plats des cantines scolaires. Au menu du jour, 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. Alors, qu'en pensent nos petits critiques culinaires? Certains sont aux anges. Ah bon? Très bon. J'ai l'impression que t'as un petit pois. Alors là, c'est super bon. 5 étoiles. D'autres sont plus sévères. C'est comment? Pas bon. Mauvaise note? Oui, très mauvaise note. Car après chaque dégustation, les élèves doivent remplir ce petit questionnaire d'évaluation. Alors les enfants ont pour chaque plat qu'ils dégustent des questions sur le visuel du plat, l'odeur, le goût et s'ils aimeraient ou non retrouver le plat dans leur cantine. Et on peut aussi voir qu'il y a une question où ils peuvent donner leur propre avis. Par exemple, ça manque de sel. Puis des fois, on a des choses très rigolotes. Et, ah, c'était bon, mais c'était moche. Ceux qui ont aimé cette recette, levez la main, s'il vous plaît. Pour les chefs cuisiniers, ces avis sont très importants. Le gâteau d'œuf, il nous a fallu 1 an et demi pour caler la recette, à la fois techniquement pour que nos chefs soient en capacité à la refaire, et surtout au niveau du goût pour que les enfants l'apprécient. Celle-ci a super bien marché, donc je suis super content. Et bientôt, ils l'auront dans leur repas, dans les cantines. S'ils sont adoubés par 7 enfants sur 10, ces plats se retrouveront bientôt dans des cantines partout en France. Il y a une question. Vous tranchez et vous goûtez la sauce aussi.